bien arriver à la gare Saint-Pancras, je vais me diriger vers la boutique Harry Potter. Pour celles qui sont fans, je pense que ça vous plaira. Et je vais essayer de filmer l'intérieur, on verra bien. C'est parti. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à Londres. Je vous avais filmé quelques petites séquences, mais ma vidéo avait décidé d'être trop claire. Ce n'est pas trop possible de vous mettre ça sur YouTube, donc je refilme ici. Je suis déjà arrivée dans mon hôtel, le Z Hotel. Je vous mettrai à chaque fois tous les liens de toutes les boutiques ou les choses dont je vais vous parler en barre d'infos. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le redire en commentaire. Et dès maintenant, si vous êtes ravis de voir un petit vlog long, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je voulais pas en faire, mais finalement l'envie est venue sur mon chemin quand je suis venue en Eurostar pour Londres. Ce matin, je suis arrivée donc à la gare Saint-Pancras, je crois que ça se dit comme ça. J'ai été faire un tour à King Cross Station pour aller voir la fameuse boutique Harry Potter, donc The Harry Potter Shop, avec l'endroit où on fait la petite photo mythique du 9¾, de la plateforme 9¾. Je vous mettrai mes petites vidéos juste après pour vous emmener, ou juste avant, je ne sais pas si je vous aurai montré avant ou après, pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, la boutique, comment elle est. C'est une petite boutique qui est très sympa, mais qui est vraiment toute petite, il y a beaucoup de monde et il y a pas mal la queue pour faire la photo à la plateforme 9¾. Moi j'ai pas fait parce que j'aime bien Harry Potter, mais je suis pas archi fan au point d'aller absolument faire les photos, mais j'ai trouvé ça sympa de, comme j'étais à côté, je me suis dit bah pourquoi pas le faire, tu vois, ça aurait été dommage. Et lors de mes derniers voyages à Londres, je n'avais pas du tout été par là-bas, donc voilà. Je suis arrivée dans mon hôtel qui est vraiment juste à côté de Oxford Street et j'attends ma copine Jennifer qui elle vient en avion du sud de la France. Donc bah, je l'attends gentiment, ils ont été super cool parce qu'ils ont bien voulu me donner la chambre alors que c'était réservé à son nom. Mais j'avais le numéro de réservation, mais ça c'est top. Donc pendant ces 3 jours où on est là, c'est un week-end anniversaire, donc puisque moi je suis née le 16 octobre et elle est née le 28 octobre, je crois, si je ne me trompe pas, mais je sais que c'est fin octobre. Hashtag boulet, hein. Et du coup, bah, on a décidé de faire un week-end anniversaire à Londres et de se faire plaisir, de faire le boutique, d'être ensemble. Alors la chambre, je vous ai fait un room tour, elle est vraiment rikiki, hein. Je vais vous la montrer, mais elle est vraiment rikiki. Quand on rentre, voici la vue, directement sur le lit, et vous voyez, comme vous pouvez constater, tous les murs font le contour du lit. Donc c'est pas plus grand que la taille d'un lit, hein. Une télé extra plate, hein. Ma foi, le petit déjeuner entre guillemets qui est ici, donc bon, ça c'est toujours sympa. Et nous avons, je pense, la salle de bain ici. On va aller regarder ça. Bon, après, c'est un très bel hôtel quand même. Mais c'est juste que je pense que, bon, selon le prix de la chambre que vous prenez, eh ben, c'est moins cher. Mais ma foi, très propre. Il n'y a rien à dire. Regardez, il n'y a même pas une trace de doigt sur les vitres. Là, il y a une vitre ici qui protège de la salle de bain. Enfin, de la douche. Vraiment très, très propre. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc voilà, je vais m'étaler 5 minutes en attendant ma copine Jennifer. Bon, il n'y a pas d'armoire en revanche, mais comme vous pouvez constater, il y a juste des cintres pour mettre les motos, les choses comme ça. Je ne sais même pas où on va poser notre valise. Ah si, sous le lit, il y a un petit trou. Donc je me suis posée sur le lit en attendant ma copine et je suis en train de checker un peu toutes les adresses que je vais faire dans le coin. D'ailleurs juste à côté, dans une rue pas très loin, il y a une boutique Too Faced, donc je vais absolument y aller. Et je me suis pris pour m'accompagner pendant ces 2 jours le Cartoville de Londres. Je suis hyper fan de ces petits livres Cartoville comme ça. J'en avais un de Londres, enfin de Londres non, de New York, de Paris, de Marseille je crois que j'en ai un. J'en ai un doux.
de Lisbonne. Enfin, à chaque fois dans les grandes villes où je suis allée, voilà. Je trouve ça cool d'avoir ces petits trucs-là. Ils sont super sympas. À chaque fois, il y a un plan par quartier, en fait. Vous avez toutes les choses à faire, entre guillemets, par quartier. Et vous avez le plan du quartier pour vous repérer. Donc, c'est hyper, hyper bien fait. Je vous les conseille. Et pareil, je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça se trouve facilement à la FNAC. D'ailleurs, moi, je l'ai trouvé à la gare. Parce que j'avais hier soir, j'ai eu une révélation, je me suis dit, oh, j'ai oublié de commander mon cartoville. Et du coup, j'ai fait à la gare, donc très bien, ça m'a sauvé la mise. Parce que comme ça, j'ai pu zioter un peu tout ce que je voulais faire. Et voilà. Tel un gros boulet, hein, pour vraiment utiliser le hashtag boulet, j'ai oublié mon adaptateur. Là, vous savez, pour recharger mon appareil photo ou mon téléphone. Heureusement, il y a des prises USB, parce que sinon, je ne vous dis pas dans quelle galère j'aurais été. J'ai retrouvé ma Jennifer qui se la pète avec ses lunettes, il y avait un rayon de soleil mais bon. Et nous sommes super sur Oxford Street à Londres. Et on commence déjà le shopping. Évidemment, évidemment. De retour dans la chambre d'hôtel. Qu'est-ce qu'on a fait, ma Jennifer? Victoria's Secret. On a fait Primark, je sais plus si on vous l'a dit tout à l'heure. On a fait Primark, moi j'ai dépensé à Primark. Nous avons été chez Victoria's Secret que nous avons un peu du mal à trouver. Et ma foi, Jennifer a bien craqué. Hein. Mais j'ai plus ton de sac. Elle a utilisé tout son budget liquide. Moi j'ai utilisé ma carte bleue. Et on s'est fait des petits cadeaux, mais je vous montrerai ça plus tard. Et moi aussi j'ai craqué un petit peu là-bas, mais vraiment pas grand chose. Au final, il y a un truc pour moi dans tout ça. Un truc, j'ai acheté une brume quoi. Bon, alors, peut-être qu'on y retournera demain si j'ai des révélations d'ici là demain. Mais j'ai pas mal dépensé sinon chez Primark et on a été faire un petit tour chez Boots. Donc voilà pour ce premier jour là, on va chercher à manger parce qu'on crève la dalle. Enfin, moi je commence à avoir faim. Et ça sera tout pour ce jour là, donc on vous retrouve demain. Bisous! Coucou, j'espère que vous allez bien. Salut! On se retrouve aujourd'hui donc pour notre deuxième jour à Londres. En version sœur jumelle. Oui, exactement. Alors ça, je précise, c'est le cadeau que ma petite Jennifer m'a fait pour mon anniversaire. Du coup, elle l'a acheté hier à la boutique Pink. Et honnêtement, ça nous va bien. Hein. Ouais. Ça rend super bien, on est classe. Donc c'est une petite veste assez sympa, je vous la montrerai peut-être mieux. Il y a les poches là comme une veste de jogging. Et sur le côté, il y a une petite... plein de pression qu'on peut enlever, genre faire notre version sport. Voilà, version sport, à moitié se dissaper, si on a une brassière en dessous, un truc. Ça peut être sympa quand même l'été. Je vous dis que ça peut être cool. Donc vraiment, elles sont sympas. Alors, je vous avoue que la taille, elle est. Just. Pile poil. Hein. Faut pas que je prenne trop de kilos. Et c'est vrai qu'ils sont ric-rac au niveau du bas, quoi. Il faut pas c'est être court. Trop grosse. Hein. Faut pas... C'est pink, quoi.
Donc voilà, on est contente. Aujourd'hui au programme, on va aller à la pâtisserie Valérie, grignoter notre petit déjeuner, enfin manger notre petit déjeuner. D'ailleurs, il est quelle heure, madame? Ben, je sais pas. Il doit être 10h, je pense. Non, je sais pas trop. Et ensuite, on va aller faire un tour dans Regent Street, se balader à la boutique Too Faced. Enfin voilà, aller vadrouiller dans les rues du coin, puisqu'on est tout près de Oxford Street. Et manger ce midi, si on arrive à faire tout ce qu'on a dit au check-check, parce qu'il paraît que c'est un truc à aller faire. Bon. Elle connaît parce qu'elle a été aux États-Unis, mais même moi aux États-Unis, je savais pas, je connaissais pas. Ah ouais? Ouais. Ça va, c'est trop bon, ça. Pété de bidon. Avec des frites, avec du fromage, un truc comme ça. Enfin, un truc très diète, hein. Tout va bien, tout est normal pendant ces deux jours. Nous sommes pas du tout au régime. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Faut qu'on aille à la boutique Kate Spade. Kate Spade. Faire un petit tour. Faire du shopping pour changer un peu. Voilà, de toute façon c'était un week-end shopping anniversaire entre filles. Hein. Donc on est dans le programme. Ne vous attendez pas à des musées. Non, pas là. Moi j'en ai fait déjà pas mal, mais avec mon mari. Et puis là c'est pas notre... Non, on n'a pas envie. C'est pas dans le move. Et puis ce soir, bah, on verra, on fera un petit resto d'anniversaire toutes les deux. Peut-être au Ask Italian, parce qu'il paraît que c'est bon. Elsa Makeup en a parlé. Donc puis c'est à côté du Pride Month, pourquoi pas. On sait où c'est. Donc ça va. Marquez-les. Donc voilà pour notre programme. À tout à l'heure. Nous sommes arrivés à la pâtisserie Valérie. Regardez-moi ça, donc on a pris un chocolat mais qu'on a déjà commencé à dévorer, qui était vraiment très beau. Et moi j'ai pris des pancakes avec des bananes et des blueberries. Et madame, tout à fait avec son âge, hein, en accord avec son âge, elle s'est fait un petit bonhomme sur son omelette et deux tartines. Et pareil, elle a pris un chocolat chaud. Et vraiment ça a l'air bon, ça a l'air bon. Bien arrivé à Piccadilly Circus avec la grande fontaine hyper connue, et on va traverser pour découvrir l'autre côté. Bon, j'ai craqué chez Boots, j'ai acheté un calendrier de l'avance. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. La rue. La rue de Carnaby est vraiment très sympa. Et on va aller dans la boutique Too Faced. Elle est belle quand même, hein. Elle claque, non? Elle va craquer. Elle est belle. Ça y est, j'ai perdu Karine. Donc maintenant vous passez avec moi. Non, mais c'est trop beau. Elles sont pas exactement pareilles que la dernière fois. Hein. Ah, ça y est, râle. Bah, c'est bien. Non, je râle pas, je trouve que c'est bien parce qu'on dit toujours qu'il y a toujours les mêmes couleurs dans les nouvelles palettes de Too Faced. Mais là, c'est sympa. Il y a la petite trousse. Oh là là, pas mal aussi celui-là. Puis c'est vrai, aucune couleur que tu n'as jamais eue, que des choses nouvelles, tu dis pas, quoi. Toi, t'es pas raisonnable. Eh bien, comme prévu, elle a craqué. Elle vous montrera ça plus tard. Elle est ravie, elle est contente. Oui, elle est trop belle, la boutique. Nous sommes toujours le même jour mais le soir. Alors je vous ai laissé au Shake Shack. Comment ça se dit? Shake Shack? Shack Shack?
Check, check. Je sais pas trop. J'en avais pas mal entendu parler sur les réseaux et ma copine Jennifer, comme on vous l'a dit, elle avait été aux États-Unis. C'est pas mal, c'est pas le truc de dingue à faire absolument. Vraiment, si ça vous intéresse pas, ne vous arrêtez pas, mais c'est pas mal à faire. Les frites, vous trouvez dans le même style en France chez Factory & Co, je crois. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais un truc comme ça. Si je retrouve le nom, je vous mettrai une petite annotation, mais il y a dans le même style, c'est les frites avec de la crème cheese, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Le burger était pas mal du tout aussi d'ailleurs. Puis cet après-midi, on a vadrouillé, on s'est baladé, on a cherché la boutique Kikiki que nous n'avons pas trouvé parce qu'on s'est un peu gouré dans notre truc. Bon, demain matin, on verra si on peut y aller ou pas. On a craqué chez Cat Spence, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais plus. Et puis ma foi, on a été raisonnable et ce soir, moi j'ai mangé... chez Wasabi, j'ai mangé japonais. Et Jenny, elle a mangé chez Costa. C'est Costa ? Ouais. Un petit sandwich. On a fait lèche parce que le shake-shake là, il remplit quand même bien l'estomac. Ça nourrit bien. Et aujourd'hui, je n'ai pas mangé de cochonnerie. Ce qui m'arrive très rarement, je précise. On se retrouve demain pour ce dernier jour. Coucou, on est mardi. Alors hier, j'ai pas du tout eu la force de vous reprendre pour clôturer ce vlog et j'en suis totalement désolée. Je vais essayer d'être rapide et concise pour cette fin de vlog. J'ai passé vraiment un excellent week-end de 3 jours avec ma Jennifer. C'était très rigolo de vivre toutes les deux pendant 3 jours comme ça. Vraiment ensemble à 24 entre guillemets, c'était rigolo et c'était top. Donc on a passé un très bon week-end. L'hôtel, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse, parce que vous avez été nombreuses sur les réseaux sociaux à me demander un peu mon avis et combien ça m'a coûté ce week-end, parce que vraiment nombreuses à me demander. Il faut savoir qu'au niveau transport, hébergement, donc avec l'hôtel et la nourriture un petit peu, parce qu'il faut avouer que là-bas c'est extrêmement cher quand même la nourriture, hein. Vous ne vous en sortez pas pour moins de 10 euros, je trouve. Enfin, dès que vous mangez quelque part ou quoi, c'est minimum 10 euros, il n'y a pas moins cher. Et c'est beaucoup de nourriture un peu sur le pouce. J'en ai eu à peu près pour 300 en transport et hôtel, et avec la nourriture, etc. On va dire entre 300 et 400 euros en tout au niveau de tout ce qui est transport, hôtel, nourriture. Après, moi, bien sûr, j'ai fait des dépenses. D'ailleurs, tous mes sacs sont là et je vais vous faire juste après un haul que vous aurez juste après. Voilà, après vos dépenses et en plus, moi, j'ai dépensé aussi autour de 300 euros. Donc 300 et 400 euros, je ne sais plus exactement, parce que j'ai acheté aussi pas mal de petits cadeaux. J'avais bien sûr économisé depuis quelques mois pour ce week-end-là. Je sais très bien que Londres, c'est très cher comme destination, même si c'est à côté. Au niveau de l'Eurostar, j'ai payé que 120 euros au départ de Lille. Je sais qu'on peut trouver des bons prix sur l'Eurostar. Moi, à chaque fois que je suis partie à Londres, j'avais eu des super, super prix. J'avais réussi avec mon mari à avoir un week-end, je crois, à 400 euros pour nous deux, pendant 3 jours, ou même 4-5 jours, je sais plus, à Londres. Avec l'hôtel et tout, bon, c'était excentré. Là, on était vraiment hyper bien placé au niveau de l'hôtel. On était à une rue de Oxford Street, donc on était vraiment dans les beaux quartiers. On a fait plus de 10 km presque par jour pour vous dire qu'on a pas mal marché, mais on n'a pris aucun transport parce que les transports, ça coûte aussi très cher. Donc voilà pour mon avis, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions en commentaire, je serais ravie de vous répondre. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce petit vlog hors de la France vous a plu. Je vous fais des gros bisous, salut!